Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer le nouveau fonds d'État, CCK, mon, je sais plus quoi, de chez ELF. Vous allez de toute façon voir tout ça dans la vidéo qui va suivre ma introduction. Là, j'ai déjà le teint fait. Ça fait un moment que je le porte et c'est magnifique. Je teste également le nouveau blush qui reste en place, qui est vraiment superbe. Le nouveau mascara qu'ils ont sorti, il y aura tout un tas de produits, même le pinceau. Donc, asseyez-vous confortablement et regardez ces petites vidéos. On va commencer par OLF Camo Hydrating CC Crème Skin Loving Ingredients avec Tremella Mushroom et Acide Hyaluronique Full Coverage. Je l'ai en teinte Light 25 et je dois vous dire, je l'ai testé exprès pour vous donner un peu plus de détails. Il contient également un SPF des 30, qu'il est vraiment très 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 bon. Fond d'état pour les peaux matures. Je vais prendre, vous voyez, il est assez quand même épais, mais c'est un bonheur sur le visage. Je vous le jure, c'est quelque chose. Je vais faire moitié du visage, vous allez voir. D'ailleurs, la dernière fois, la première fois et la dernière, d'ailleurs, je ne l'ai testé qu'une seule fois. Je l'ai appliqué avec le pinceau et ça s'est super bien comporté. On va voir maintenant avec l'éponge. À mon avis, mais vous savez bien que je peux changer d'avis pas très vite, hein, au cours de la vidéo. On verra bien. Regardez déjà la page. Je comprends pas pourquoi j'ai la lumière qui me fait un visage tout jaune. Je comprends pas la raison pourquoi c'est. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi, non? Voilà ce que ça donne. La peau est toute lisse. C'est un fond d'état qui va se fixer. Et c'est un fond d'état, et il me fait penser au fond d'état MAC Studio Fix 24 heures. Ici, il nous promet 16 heures, si je ne me trompe pas, 16 heures de tenue. C'est un très, très bon fond d'état qui va bouger avec la peau. J'aime énormément. Voilà le résultat sur la totalité des visages. J'aime beaucoup. C'est un fond d'état qui va lisser, qui va flouter, qui va être vraiment très très joli sur la peau. Maintenant, l'anti-cerne, ça c'est l'anti-cerne que j'ai déjà utilisé, mais franchement, avec toutes mes chutes, etc., je ne me rappelle pas si je vous ai montré en action ou pas. C'est le chez Glam qui j'ai mes lunettes. Cooling Eye Cooling Bright Concealer que j'ai en teinte fer. Je crois que je vous ai juste montré comment il est sur moi, sans vous montrer en fait comment il marche, quoi. Donc, j'aime beaucoup l'applicateur qui est rafraîchissant. Par contre, c'est difficile bien viser en fait. Là, on a envie de... Oh, c'est trop chouette. C'est très 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 chouette. Donc, je vais reprendre ce que j'ai ici. Hop, et je vais prendre un petit pinceau anti-cerne pour... Il est très 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 couvrant cet anti-cerne. Un petit peu estompé pour enlever un peu de la matière parce qu'il y en a. C'est pas un anti-cerne hydratant, c'est un anti-cerne qui va s'y figer. Je l'ai utilisé quelques fois déjà cet anti-cerne. Je préfère quand même quelque chose de plus hydratant pour ne pas trop marquer mes cernes, quoi. Voilà. Ça donne ça. Petit prix.
Et je suis assez convaincue quand même par cette anticerne quand il fera peut-être très très chaud, quand on va transpirer un petit peu. Donc voilà, si vous attendez le bruit, c'est mon chat qui est en train de jouer juste à côté. J'ai perdu mon bouchon. Je ne sais plus où j'ai mis le bouchon. Prochain produit, c'est le nouveau blush qui est sorti carrément en même temps que le fond d'état. J'ai trouvé le bouchon. Voilà, donc cette blush, c'est Camo Liquid Blush. Et je l'ai pris en teinte Dusty Rose, juste pour voir est-ce que ça va me convenir ou pas. Je l'ai testé également. Pigmentation, elle est dinguissime. Il faut vraiment aller très, très, très doucement. D'ailleurs, ils ont sorti également un pinceau qui va avec pour le blush. Et là, du coup, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir comment ça marche. Alors, avec le pinceau, je veux dire, je vais vous montrer. La teinte, elle est très, très, très jolie. Je vais l'estomper. Vous allez voir, c'est très, 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 très beau. Après, ça va se stabiliser. Ça devient mat poudreux. C'est vraiment liquide poudre. Voilà, la teinte, elle est très, 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 très belle. Et rendue, elle est jolie. Donc, je vais mettre vraiment une toute petite touche comme ceci. Je vais prendre un pinceau. On va voir. Regardez comme ça s'estompe. Regardez, vous avez vu combien j'ai mis, vraiment un tout petit peu. Et regardez combien. Ça n'enlève pas le fond de teint, ça flotte en même temps que vous le déposez. C'est vraiment très, 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 très beau. Je vais prendre un petit peu ici. Parce que je préfère quand même de travailler mes blushs liquides comme ceci. Je trouve que le rendu est plus homogène, mais je voulais vous montrer la pigmentation, comment elle est, pour que vous puissiez voir qu'il faut vraiment une toute petite touche, oui, une petite goutte en fait. Et ça vous, mais par contre, vous avez la possibilité de travailler longtemps. Vous avez la possibilité de travailler ces blushs. Il va pas se figer en un instant, quoi. Voilà. Voilà le blush. Pipite. Ok, je viens de faire mes sourcils presque parce que on a un autre produit double embout aussi. Je crois que c'est une nouveauté. Du moins, j'ai jamais vu ces produits-là. Et c'est mascara transparent cils et sourcils. Ces mascaras transparents à double embout permet de donner une apparence saine et soignée aux cils et aux sourcils. Le mascara transparent nourrit et embellit les cils, tandis que le gel aide à maintenir les sourcils en place. Je dois vous dire que ça maintient pas du tout. Alors, vous avez du embout et là, vous avez indication pour quel, est-ce que c'est pour les cils ou est-ce que c'est pour les sourcils. Donc, sourcils, c'est ici. Je vais vous montrer parce que ça tient rien du tout, mais vraiment rien du tout. Allez voir. Et déjà, la brosse, elle est énorme. Et pas très très confortable. Il n'y a rien qui peut détrôner mon bénéfice, je vous le jure. Ça va retomber très 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 vite. J'aime pas. J'ai pas encore par contre testé le côté mascara, mais je vais le faire un autre jour parce que j'ai envie de tester un mascara que j'ai acheté sur le site de ELF. Et c'est un mascara dramatique. Mes lunettes. Dramatic length. Longueur et définition. La technologie tubulaire allonge visiblement les cils. Peut-être c'est oui, éliminé à l'eau de à l'eau tiède. Oui, en fait, c'est comme le mascara Amish que j'adore.
C'est le mascara tubing, le mascara thermique, si on peut dire comme ça. Oui. Et donc, je ne vous ai même pas montré le packaging. Celui-là, je n'ai pas encore utilisé, je n'ai pas encore testé. On va voir ça, on va voir la brosse, on va tout voir ensemble. Et alors, il s'élimine à l'aide de l'eau chaude. On va voir qu'est-ce qu'il fait sur nos cils, n'est-ce pas? Donc, la brosse, elle est comme ça. Et je crois que je l'ai pris en bras. Ok. J'ai pas envie de faire un gros make-up aujourd'hui. D'ailleurs, je dois peut-être aller à l'hôpital, on verra bien. Mais pour l'instant, ça va quand même mieux. Je parle de mon pied, de ma jambe entière. Écoutez, ça, le mascara. Je parle de mascara maintenant. Donc, le mascara, il sépare bien les cils. Il les définit bien. Pour l'instant, ça garde la courbure. Voilà. Mais j'ai les cils quand même longs, mais pas disciplinés. Du tout. Mes cils, oui. Il a cassé la brosse. Mes cils, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et c'est un joli bras d'ailleurs. C'est un très joli bras. C'est un bras froid qui me va à merveille. Je fais tout de suite la deuxième couche. Parce que, ah! Parce que je sais qu'avec les mascaras comme ça, il faut pas trop attendre. Hein. Il faut que ça fige un petit peu et puis on peut appliquer la deuxième couche parce que sinon après ça va être pas joli du tout. Voilà, deux couches. Pas mal, j'aime bien. Ça donne un petit peu du volume parce que on voit bien que les cils étaient super bien colorés à la racine. Très 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 beau, j'aime bien. Et voilà ce que ça donne sur moi. J'étais ravie de vous montrer mes nouveautés de chez ELF. On a fait presque full face ELF. J'ai ajouté sur les lèvres MAC Cosmetics, le crayon Virle. De toute façon, tout va être dans le barre d'infos. J'ai mis le huile à lèvres de la marque Tinted. Très très confortable. J'ai également appliqué ma poudre chouchou Charlotte Bio pour flouter tout ça et j'ai même flouté un petit peu mes paupières pour avoir l'air un peu, pour avoir un peu le maquillage fini. Je voulais aussi vous dire que sur ma boutique, il y a dès à présent, il y a la marque Origins qui est arrivée et je suis très très fan parce que j'ai eu quelques produits dans les calendriers de l'Avent de la marque Origins et le sérum, pas le sérum, le tonique dans la bouteille verte. Je vais essayer de vous mettre ça quelque part. C'est extraordinaire parce que je suis en train de vider la bouteille. Excellent. Donc, voilà. Sur ça, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez me laisser un petit commentaire, que vous allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche également pour ne pas rater les vidéos que je poste. Et moi, je vous laisse. Je vous dis à très très vite. Gros bisous.